Salut à tous, c'est Tibiscuit. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, comme d'habitude, hein, ça va très bien. Ou pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier podcast. Mais qu'est-ce que je raconte ? Aujourd'hui, on se retrouve pour ce podcast, quoi, qui va parler des jeux vidéo. C'est parti ! Alors, les jeux vidéo. Moi, j'aime les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Et d'ailleurs, je faisais plein de trucs débiles quand je jouais sur mon PC. J'allais jouer sur les vieux sites, là, jeux.fr et tout. Alors, jeux... Ouais. Ouais, j'avoue, c'était trop nul. Et puis, je faisais un truc vraiment débile. C'était quand il n'y avait plus de connexion, et ben, je faisais ça. Ouais, bon, quand j'étais plus jeune, les jeux vidéo, c'était sacré. Du coup, les devoirs, c'était un peu bof. Alors, les devoirs. 1 plus 2 plus 3 égale 123. Maintenant, place aux jeux vidéo. Ouais, maintenant, j'ai grandi, du coup, j'ai plus vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo. Mais bon, quand j'étais plus jeune, impossible de louper une seule information dans les jeux vidéo. D'ailleurs, ça me rappelle à l'époque quand il y avait le combat Super Mario contre Sonic le Hedgehog. Chaos Control! Mamma mia! On va parler de quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. Les FPS. Qu'est-ce que sont les FPS? En gros, c'est les jeux de première personne. Il y a les jeux de première personne, il y a les jeux de troisième personne, etc., etc. Prenons un exemple tout bête d'FPS, Call of Duty. Personnellement, hein, je joue presque jamais à ces jeux, hein, mais je suis quand même très très fort à ce genre de jeu. Ou pas. Where am I? Il y a beaucoup de possibilités de jeux vidéo, il y a par exemple les téléphones, les consoles, les ordinateurs, et j'en passe. Quand vous allez jouer à un jeu vidéo, ne dites pas je vais geeker. Geeker, ça se dit pas, s'il vous plaît, ça ne se dit pas. Non, on dit pas geeker, on dit je vais jouer au jeu vidéo, ou bien je vais gamer, mais bon, gamer ça veut rien dire, donc... Tiens, les gamers, parlons-en. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un pur malaise quand je parle à un gamer. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la grande place de la ville ? Ah, la grande place, où est-ce qu'il y a le boss numéro 4 ? Ouais, je pense. Alors, c'est très simple. Tu vas à droite, puis tu vas à gauche, tu cliques sur X, puis sur carré, puis tu vas tout droit, et tu vas trouver un checkpoint. Et c'est juste là. Ah, merci. Alors, droite, gauche, X, carré. Moi, je suis pas trop console, moi, je suis plutôt sur ce truc-là, qui est juste là, que vous voyez, là, qui se décharge toujours, hein. Je vais vraiment l'éclater, hein. Mais il y a plein de personnes qui critiquent les PC. Ouais, de toute façon, les PC, tu peux jouer que sur clavier, tu peux même pas jouer sur manette. Excuse-moi, mais il y a des manettes spécialement faites pour jouer sur PC. Ouais, mais c'est trop nul parce que, de toute façon, si t'achètes un PC, les performances, elles vont être un peu bof. Parce que si t'achètes la nouvelle PlayStation 4, les performances, c'est un truc de malade. Excuse-moi, mais sur PC, tu peux augmenter les performances. Donc, ça peut être mieux que la PlayStation 4. Et de plus, la PlayStation 4, tu peux pas augmenter les performances. Ouais, de toute façon, sur la PlayStation 4, tu peux jouer à des jeux exclusifs et tout nouveau. Sur PC, il y a ce qu'on appelle un émulateur. Grâce à un émulateur, tu peux télécharger tous les jeux du monde entier. Ouais, mais de toute façon, sur PC, c'est trop nul parce que... Tais-toi. Ouais, bon, les jeux vidéo, c'est bien, mais quand même, faut pas trop en abuser. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager, vous abonner sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine.